Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de mettre le feu à des structures. Alors pour réaliser ce défi, j'ai quelques petites astuces pour vous. Déjà de 1, ce que vous pouvez faire pour mettre le feu à des structures, donc il n'est pas spécifié que c'est des structures adverses, donc n'importe quelle structure normalement ça devrait fonctionner, c'est d'utiliser des jerrycans d'essence. Donc si vous utilisez une jerrycan d'essence et que vous le lancez sur une structure, la structure prendra feu. Donc pour vous aider à trouver des jerrycans d'essence, je vous affiche une map avec tous les emplacements des jerrycans d'essence. Donc il y a une autre solution aussi, c'est avec toutes les pompes à essence. Regardez, ici j'ai une pompe à essence, si je tire dessus, ben, la pompe à essence va prendre feu et ensuite elle va exploser. Et là ça va mettre le feu aux structures de la pompe à essence. Donc vous pouvez réaliser ce défi en utilisant les pompes à essence. Après vous pouvez même construire comme ça et je pense que la structure prendra feu. Donc si vous construisez en plus... vous allez réussir le défi encore plus rapidement. Alors pour vous aider à trouver des pompes à essence, je vous affiche une map avec tous les emplacements des pompes à essence de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors maintenant, je vais vous présenter une autre astuce, mais bon après, là il faudra trouver ce pistolet, c'est le pistolet lance-fusée. Si vous trouvez ça, franchement vous êtes refait, parce que regardez, vous prenez cette arme, vous tirez, et là regardez, ça va flamber et ça va mettre le feu aux structures où vous allez tirer. Donc bien évidemment ici nous sommes sur de la brique, donc c'est un petit peu plus ça flambe pas quoi, enfin ça flambe mais un tout petit peu, c'est difficile à flamber. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser le lance-fusée contre des structures comme ceci pour que ça mette le feu à toute la structure. Et là, il y a au moins 10 structures en bois qui sont en train de prendre feu. Donc voilà, la meilleure solution, c'est d'utiliser soit les pompes à essence, soit les jerrycans d'essence, ou soit d'utiliser le lance-fusée pour terminer le défi. Et quand vous aurez flambé 10 structures, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao. Peace.